Ah oui, avant de se retrouver chez les oies, bah là il y a les oies. Avant on avait des lapins et tout, donc ça c'est les crêpiers. Oui. Ça avant c'était une basse cour. Là il y avait un. Il y avait l'énorme poulailler, c'était coupé en deux. Voilà. C'est une basse cour. Et c'est là qu'on met l'eau pour les oies. Donc là, on va aller chez les oies. Une petite porte que je compte aussi refaire. Voilà, les oies, je peux les laisser ouvertes, elles ne s'enfuiront pas. Donc là-dedans, bah, c'est où elles dorment. C'est avec plein de feuilles, je ne sais pas si vous voyez bien. Et le chat que vous avez vu chez les poules tout à l'heure, et bah c'est lui. Il dort là-dedans, il a son petit nid là-bas, à côté des oies. Donc là, j'ai mon jar, c'est le premier qu'on voit là. Il est un petit peu plus petit, le jar, je sais pas. Mais c'est, on le reconnaît parce qu'il boite le jar. Donc voilà, il est là. Il y a la femelle qui est derrière. Bah, je vais essayer de vous les approcher. Là, à côté du pain, c'est le jar. Et derrière, c'est l'oie. Donc là, il y a une petite bassine. C'est sale, mais on l'a rempli hier, je crois. Voilà. Bon, là, il y a mon âne. Hein. Bah, je crois que ça va être tout pour cette vidéo. Ah oui, et aussi pour les nègres-soies, du coup. Vous avez dit s'il n'y a que des poules, bah, ce que je ne pense pas. S'il n'y a que des poules, je vais être très content. Voilà, là, c'est le jar. Et bah, s'il n'y a que des poules, je compte faire un achat peut-être à la ferme de Beaumont. Un coq, soit coucou, et une poule, soit coucou. Comme ça ferait pas de la consanguinité avec le père. Voilà. Donc du coup, là, je vais vous laisser. Et puis, joyeuses fêtes en retard. Salut!